Mie dogbena jijipe nukpola okatale mia petokle mia de la Yesu Christo pen komelendia. Nous saluons nos chers téléspectateurs au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ce matin. Que l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, vous bénisse. Par la grâce de Dieu, vous voyez et écoutez la voix de votre serviteur, Mon vie d'Oji Paul. Le Seigneur nous accorde l'opportunité d'être ensemble sur ce plateau, faire un enseignement et prier. Et nous allons prier. Avant, nous allons prier et confier le début du programme à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Lata. Merci pour ce moment. Akwenao. Merci Seigneur. El Abena, El Lombi. Parce que tu nous aimes. Et tu nous as encore conduits sur ce plateau. Eide. L'heure a sonné. Benamia Sewonya. Pour que nous puissions entendre ta parole. Aye, tchokaka, barekbekea. Ce sont des personnes que tu utilises. Et tu as vu encore les moindres de tes serviteurs pour les utiliser. Après Seigneur, nous nous confions à toi. Allez, tu voudras nous utiliser. Utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. La parole sort. Qu'elle guérisse. Qu'elle délivre. Qu'elle libère. Qu'elle restaure la vie de Dieu. Que la parole donne la vie. Et après la parole, la victoire parvient à tes enfants. Amen. Ce matin, nous allons encore faire un enseignement et après cela, nous allons prier. Et nous allons prier pour divers fardeaux. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20. Et après, nous allons lire dans Pierre, le chapitre 1, le verset 8. Plutôt le verset 18. 18 à 19. Le verset 18 jusqu'à la fin du 19e. Mais de coucou mia klenle, vek bebi bla hoho tome. Asise se mi ho. Ayata micho mia pengti la okle mia pek bokbo. Si o nye mau tola kafu mau. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Abe alenvi sin mokaka kple kpotchocho mele ola pevu ene. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Pierre le chapitre 1 le verset 18 jusqu'à la fin du 19e. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire dans le livre des Corinthiens, est un message ou une lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. La ville de Corinthe est une ville civilisée. Et une ville située à la plage. Et une ville intellectuelle. Et les Corinthiens sont une population. La façon dont ils sont des intellectuels est aussi riche et la ville est aussi située à la plage. Ils connaissent Dieu. Mais ne connaissent pas l'importance d'avoir reçu Christ. Et ils mènent encore des vies qui ne plaisent pas Dieu. Dieu parla à l'apôtre Paul.
Et il voudrait jusque-là révéler la valeur ou l'importance d'un chrétien. Et mon message ce matin a pour thème « Nous avons été rachetés pour, par un grand prix ». Et quand on dit que quelque chose a un grand prix, ça veut dire que la chose est si précieuse. Et la pima, tu es là et tu es un chrétien. Tu t'es converti il y a longtemps. Et que tu trouves à manger. Mais ou non. Que tu aies un dortoir. Ou non. Que tu aies des chemises pour porter. Mais pas ou non. Et galasio. Que tu sois riche. Et gamela si ou pauvre. Et vilasio. Que tu aies d'enfants. Et si ou stérile. Assise seneho. Tu as un grand prix. Alors, c'est toi-même qui as reçu Christ. Tu connais ta propre importance ou valeur. Ce serait bien. Mais si tu le méconnais, après la parole, tu vas découvrir que. Si c'était toi seul qui as reçu Christ parmi les enfants de ta mère, sache que tu es une personne importante et précieuse à Dieu. Et si tu es le seul à recevoir Christ dans votre localité, sache que tu es une personne importante à Dieu. Alors je voudrais dire, Paul, les pionnes Corinthiens autour, les enseignait les Corinthiens à l'époque. Il dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté par un grand prix? C'est pourquoi prenez votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu et glorifiez donc Dieu. Alléluia. Prenez votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu et glorifiez-le donc avec ces choses. Je ne voudrais pas parler de la louange de Dieu. Et je ne voudrais pas également toucher le point du péché. Non. Mais je voudrais toucher le point de l'importance ou du grand prix que nous avons. Un chrétien qui a reçu Christ est une personne importante pour Dieu sur cette terre. Alors ce que quelqu'un a acheté par de l'argent et que la chose lui est chère et précieuse, il ne l'utilise pas en désordre. Alors si tu utilises des pagnes et que tu es allé acheter un autre pagne de haute valeur, on ne porte pas ce pagne à la cuisine. Et on ne porte pas également ce pagne à la maison. Et on ne porte pas ce pagne tous les jours ou en désordre. Et ce pagne a plus d'importance et de valeur. Alors si quelqu'un dans l'ignorance, qu'il soit peut-être ton enfant génétique ou un enfant que tu as adopté, et que tu constates que ce dernier enlève ce pagne de valeur que tu as caché quelque part, qu'il expose sur ton lit sans que tu ne lui aies donné cet accord, même si c'est ton mari, tu vas le gronder parce que il a sorti ton élément précieux. Demain, si c'est un boucle d'oreille ou une chaîne, un collier, c'est la même chose. Et nous les hommes, nous avons des chaussures. Et il existe également des costumes. Il y a également des chemises. Mais
Cette chemise ou ce costume que j'ai porté, je ne peux pas le porter à la maison. Ah, non. Pour me reposer à la maison dans ce costume, non. Et la bena. Car. Et voici. Et ça un prix. Mais doit de peine. Et je l'ai classé parmi les choses importantes. Et là où de me vend. Et n'y a où voici. Parmi mes chemises ou mes costumes, c'est encore un costume très important. Et n'y a magbeto la magbeto de me vend. Yesu ne hota. Et voici. Tu es un homme parmi les êtres humains, mais parce que tu as reçu Christ, tu as un grand prix, une importance. Les parmi les enfants de ta mère, ils ne peuvent jamais s'égaler à toi. Parce que tu as un grand prix. Et on t'a donné une valeur. Mais nous-mêmes qui avons été rachetés, nous méconnaissons nos propres valeurs. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un. Très souvent, je dis que Jésus que j'ai comme possession. Si Mekpo Yeshua, Mekpo Nusianwe, j'ai rencontré Jésus. Yesu Lida, Nusianu Lida. Et tout demeure. Mebe, si Mekpo Yeshu, Mekpo Nusianwe, Yesu Lida, Nusianu Lida. Tu n'as pas de valeur comme quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est de lui que Paul parle aux Corinthiens.
Parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont des diplômés. Ils sont situés à la plage. Ils sont civilisés. Et dans la ville de Corinthe, et ils aiment différentes façons de s'habiller. Et ils portent des objets en or précieux. Des pagnes de valeur. Et il s'habille de façon extravagante et c'est ce que Paul a découvert et il a décidé de leur fournir cet enseignement. Et parfois quand tu vois des femmes s'habiller, la façon dont elles portent des colliers en or, elles portent plein de choses sur leur corps, quand tu rencontres en même temps la personne, tu sauras que ah, telle personne est une personne riche. J'ai une fois rencontré une femme, elle s'est habillée et elle est venue chez moi. Et nous étions en train de discuter. Elle dit, homme de Dieu, tu vois là où je suis maintenant. Et quand on dit très souvent que les gens ont laissé pour héritage des perles de haute importance à leur fils ou à leur petit-fils, c'est maintenant je comprends la chose. Elle a dit oui. J'étais en train de recevoir cette femme en Europe. Et elle me disait, tu vois ce que j'ai porté comme ceci. Les colliers, les bracelets, les montres, les boucles d'oreilles que j'ai portées sont de 2 millions de francs CFA. Alors 200 millions de francs CFA. Sont de 200 millions de francs CFA. Parce que tout ce qu'elle a comme objet sur son corps sont fabriqués à base du diamant. Et j'ai ri. Et je disais, en allant, si moi je retrouve ces choses-là sur la rue, je ne vais même pas savoir que ce sont des objets de valeur. Et elle dit parfois, quand elle passe dans certaines zones de l'Europe, elle a peur. Parce qu'on peut la braquer et enlever ses objets dessus son corps, parce que celui qui connaît l'importance de ces objets pourrait retourner les vendre plus cher. Et elle dit qu'elle peut déposer ces objets qu'elle a portés sur son corps au niveau d'une banque et faire un prêt financier. Elle a bien et nous on voici. Ce sont des objets de valeur, de grand prix. Et dès qu'elle apparaît quelque part, ceux qui connaissent le vrai diamant, quand ces personnes le voient, ces personnes vont immédiatement la considérer parce que ce qu'elle a porté décrit un peu qui elle est. Vous voyez? Un être humain a dépensé 200 millions de francs CFA juste pour mettre sur son corps, pour se vêtir. Mais il manque quelque chose. J'ai souri et je lui ai posé la question, as-tu Jésus? Elle dit, Jésus, comment peut-on avoir Jésus? Et je lui ai dit, ceux qui le reçoivent confessent qu'il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est lui qui est mort pour eux. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et la personne promet le suivre tous les jours de sa vie. Et cette
alliance, si tu le fais, ça a plus de valeur que tout ce que tu as porté sur ton corps. Alors actuellement je suis ici, j'ai quelque chose qui est plus précieuse que ton diamant que tu as sur ton corps. Et elle a souri. Et je lui ai dit, j'ai quelque chose qui est plus précieuse que tes diamants que tu as sur ton corps. Et elle demanda, est-ce que je peux lui expliquer un peu la chose? Et je lui ai dit, ce que tu as comme problème, tu es venu chez moi. Est-ce que ton diamant que tu as sur ton corps a pu te donner la solution? Ton diamant ne t'a pas donné la solution. Et si maintenant je te disais, apporte-moi ces diamants, je vais prier pour toi pour que ton problème soit dégagé de ta vie. Tu vas rapidement me les donner. Et j'ai parlé encore. Et immédiatement, elle a reçu Christ. Et j'ai dit, tu as du diamant. Mais tu as reçu encore quelque chose aujourd'hui. Et si que voici ou si car qui est plus précieux que de l'or et de l'argent. Christ tonto et dinagba odoku. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui s'avilissent. Mais le béhwa mais la pire chose. Alors si tu es même dans une paillote quelque part. Amarete toi sans caca ou atochipo. Quelqu'un peut bâtir des maisons à étages allant vers le ciel. Nane la sio. Tu as quelque chose. Si que même le sio. Que ce dernier lui il n'en a pas. Et y a Jésus Christ. Et cet élément que tu as c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi très souvent je dis que les chrétiens ne sont pas des personnes viles. Christoto, les chrétiens, ils ne sont pas des ramassis. Ils ne sont pas des cohuis. Mais dans toute famille, les chrétiens sont toujours méprisés. Car ce qui les sert d'autorité, ils disent très souvent qu'est-ce qu'il a. Répète avec moi, j'ai quelque chose qui est plus précieux que de l'or et de l'argent. L'apôtre Pierre l'a encore expliqué aussi dans ce passage. C'est l'apôtre par qui Jésus a fondé l'église. Et il dit, tu seras la fondation, la base, la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. Et l'apôtre Pierre, puisqu'il n'est pas trop instruit, Marc fut son secrétaire. Et il écrit toujours toutes les inspirations qu'il recevait. Et c'est lui qui a encore écrit à l'endroit des chrétiens dans ce passage. Il dit, car sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Sika, l'or. Quand on trouve l'or sous un sol, ce sol a de valeur. Et les gens de la zone s'enrichissent à base de cela. Et on met et on ne permet pas à ce que l'or soit déterré comme la façon dont nous achetons du gari, de la farine, du manioc pour traverser les frontières. Si tu veux traverser une frontière avec de l'or, tu seras rapidement interpellé. De même que de l'argent. De même que du diamant. Et ces choses ne sont pas des choses qu'on découvre facilement. Alors si tu sors du diamant quelque part, tout de suite tu seras interpellé, tu seras arrêté. On ne le voit pas comme ça. Ce sont des choses à grand prix. Voilà pourquoi les autorités du monde entier n'ont pas permis à ce que cela soit utilisé en désordre. Mais on nous dit, le prix par lequel nous avions été rachetés,
Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas également de l'argent. Et ce n'est pas aussi du diamant. Nous n'avons pas été rachetés par ces choses. Alors les éléments par lesquels nous avions été rachetés, c'est le sang précieux du Christ. Le sang précieux de l'agneau. Et un agneau parfait, un agneau parfait et sans condamnation. Et sans défaut et sans tache. C'est par cet agneau que j'ai été racheté. C'est par cet agneau que tu as été racheté. Et c'est par cet agneau que nous avions été rachetés. Alors nous avons un grand prix. Diamant et roi nasi. Et en réalité, c'est le diamant qui a un grand prix, qui coûte cher. Il y a diamant. Le diamant. J'étais allé chez une femme dans ce pays au Togo. Et on lui a apporté un petit morceau de diamant qu'elle voudrait acheter. Et elle dit qu'elle voudrait bien l'acheter comme collier à son fils ou à sa fille. C'est une petite fille qui n'est même pas âgée. Et on lui disait que ce morceau de diamant se vend à 20 millions de francs CFA. Certains d'entre nous, actuellement, si nous voyons ou nous obtenons 20 millions, nous allons réussir notre vie pour toujours. 20 millions. 20 millions. Et quelqu'un va dire s'il trouve tout à l'heure 20 millions de francs CFA. Il est magadon. Il va réussir sa vie. Parce que cela va l'aider à réussir facilement sa vie. Mais quelqu'un l'achète. Pour juste se servir de collier à sa fille. Parce que les 20 millions chez eux est considéré comme 20 000 francs CFA. Mais ce que la Bible voudrait dire, c'est que ces choses que nous voyons et qui ont une importante valeur ainsi, on dit que ce par quoi nous avions été rachetés a plus de valeur que cela. Alors, toi, chrétien, donne d'importance et de valeur à ta christianité. Vous savez quoi? Le monde éprouve la famine de la vérité. Si le monde doit réussir, tout dépendra de moi. Tout dépendra de toi. Tout dépendra de nous, les serviteurs de Dieu. Tout dépendra de nous, les chrétiens. Parce que nous méconnaissons nos propres valeurs. Alors, si tu connais ta propre valeur, on ne peut pas te séduire par quoi que ce soit qui te sera plus important que Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un peut aimer plus que ce Jésus qu'il a reçu? C'est ce qui fera que si tu veux faire quelque chose et que tu vois que ce que tu voudrais faire, c'est ce qui va faire que si tu voudrais faire quelque chose et que tu constates que ce que tu veux faire, tu vas offenser Jésus, alors tu vas remarquer que Jésus qui est en toi a plus d'importance que ce que tu voudrais faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous étions ignorants autrefois. Et maintenant, sachant notre valeur. Et cette valeur, c'est en cela que quelqu'un a chanté. L'Esprit de Dieu qui est un plus précieux que de l'or. Voici musica.
L'Esprit de Dieu qui est en nous est plus précieux que de l'or. C'est plus précieux. Écoutez-moi. Praise the Lord. Alléluia. Que tous les saints entendent ma voix. Partout où tu es. Dans le monde entier. Et que Jésus-Christ est en toi. Et voici. Tu as une valeur. Elle a bena. Parce que. On met aussi quatre crosses le référé tao. Tu n'as pas été racheté par de l'or ni par de l'argent. Alors si le monde souffre, c'est parce que les chrétiens ne donnent pas de valeur à leur identité. Car cela n'a pas été remarqué chez toi. Que tu es dans une même chemise. Tu es dans une même chaussure. Et tu souffres. Mais tu es en train d'accorder une valeur à ton Dieu. Si tu arrives quelque part. Et que ce qu'on doit faire. Et qui sera contre la volonté de Dieu. Ou qui va intervertir ou reverser Dieu. Ou qui va arracher la justice de Dieu ou mépriser la justice de Dieu. Tu n'acceptes pas de défendre la vérité. Car toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Jusqu'à ce que tu n'oses même dire la vérité. Le nom Jésus, nous l'invoquons seulement. Le Toyota.
pour la guérison, pour la bénédiction, pour avoir des enfants, pour se marier. Mais la valeur proprement dite. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. Les gens me voient à l'Occident dans plusieurs pays de l'Afrique actuellement. Quel est ce milliardaire sur cette terre ou dans ce monde? Et nous pourrions maintenant même appeler son nom. Et il va venir te guérir là où tu es. Et il va venir ôter le fardeau que tu traînes. Milliardaire. Quel est ce milliardaire? Nsetoka. Quel est ce puissant? Nunyalaka. Quel est cet intellectuel? Amareke ode. Il n'y a personne. Aode. Non. Amareke. Il n'y a personne. Oh, amen. Amen. Mede kuku, mebe amen. Amen. Ta amesiame. Alors toute personne. Ne doto. Que toute personne m'écoute. Mia Seigneur de Bena. Écoutez bien que Jésus-Christ là, Jésus-Christ, il a une valeur. Jésus-Christ est précieux et nous ne pourrions payer ce prix par quoi que ce soit. Alors, si on pouvait payer ce prix, toi et moi ne pourrions pas le recevoir. Ce serait seulement que des multimilliardaires qui pouvaient le recevoir. Mais on ne paie aucun prix avant de le recevoir. Et Puisqu'on reçoit gratuitement Jésus, voilà pourquoi ces multimilliardaires n'accordent pas d'importance à Jésus. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter de l'or ou du diamant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est pas par ces choses que nous avions été rachetés. Ce par quoi nous avions été rachetés est plus précieux que de l'or, que de l'argent et que du diamant. C'est pourquoi ne te méprise pas. Ah, non. Il n'est pas encore nuit. C'est le jour qui s'est levé. Puisque Jésus est toujours en toi, avec ce Jésus, tu les dépasseras. Si vraiment je suis un serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre avait fait ses déclarations. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Je dis, puisque tu as Jésus en toi, alors si tu connais sa valeur, tu les dépasseras. Je te rassure. Je dis, tu les dépasseras. Pourquoi? Sache l'importance de qui tu es et ce qui est en toi. Car tu n'es pas égaux à eux ou égal à eux. Ils peuvent avoir des milliards, mais le prix par lequel tu as été racheté est plus important que ce qu'ils ont. Mais alors, quand je comprends ou quand j'ai le sens de certaines paroles de Dieu correctement, j'agis comme une personne mentalement atteinte. Pourquoi? Je comprends d'une manière ou d'une autre la chose. Que là où je suis actuellement, ce Jésus qui est en moi, j'ai une grande valeur que les multimilliardaires de ce monde n'en ont pas. Vous voyez un peu comment je m'affole. Parce que s'il y a un multimilliardaire ici, il dira que lui là, il n'est pas normal. Tu es le serviteur de quelqu'un, c'est toi qui le sers sur la table. Et que tu te permets de dire à ton patron que à cause de Jésus qui est en toi, tu as plus de valeur que lui. Imagine un peu la réponse qu'il te donnera. Hein? Imagine un peu la réponse qu'il te donnera. Y a que ma glenami. Mais permettez-moi de vous dire. Nous viade.
une fille. Était chez Naaman. Elle est sous-bom. Et elle servait Naaman. Et Naaman là. Et Naaman. Et Honko. Était une personne influente. Et Galessi. Il a de l'argent. Et c'est lui qui accordait toujours la victoire à sa nation. Nous y avons. Quand ils vont sur le champ de bataille, et nana aramto dunadi. C'est par lui que les Syriens remportaient toujours la victoire. Et diaboyo. Il a pris en captivité une fille d'Israël qu'il a adoptée ou qu'il a déposée dans sa maison. Et il y avait quelque chose en cette fille. Et qui était plus précieux que de l'argent. Et qui était plus précieux que de l'or. Et qui était plus précieux que du diamant. Et que Naaman, son épouse et ses enfants n'en avaient pas. Et cette fille, un jour, Naaman était tombé malade. Une lèpre, ses doigts et ongles étaient complètement rongés. De même que ses orteils. Et il n'accepte jamais exposer une partie de son corps. Il porte toujours les gants et chaussettes. Et il voulait se laver. Et il s'est complètement déshabillé. Et il a oublié sa serviette. Il a envoyé sa servante. Amène-moi ma serviette. Et lorsqu'il a envoyé sa main pour prendre la serviette que la servante avait amenée, la servante a constaté que ses mains étaient rongées. Et elle est retournée vers sa maîtresse. Ah, ma maîtresse. J'ai vu mon patron maintenant. Tous ses doigts sont rongés et courbés. Mais s'il peut accepter. Aïde Samaria. Et aller à Samarie. Les miens de. Chez nous, auprès d'un prophète, et il sera guéri de sa maladie. Il dit en bon, elle dit en bon. Nous avons un Dieu en Israël. Et ce Dieu est capable de guérir de telles maladies. Et il y a un prophète. Son nom est Élisée. Alors s'il peut accepter d'aller chez ce prophète, il sera guéri de sa lèpre. Et elle dit, ah bon? Tu connais ce Dieu-là vraiment? Et elle a répondu oui. Ah, d'accord. Nous avons un Dieu. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Nous avons un Dieu. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Oh,
Amen. Que tous les saints répondent Amen. Quand je parle ainsi, c'est pour que tu puisses mieux comprendre. Et avec le sens des chansons qui signifie que nous avons un Dieu. Et aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Alors ceux ou celles qui a été prise en captivité et qui est esclave chez la personne à la maison, elle a quelque chose que son patron et toute sa famille n'en avaient pas. Et elle, il dit un bon. Et lorsque le monsieur, le patron, est sorti de la douche, son épouse est allée vers lui avec ce que sa fille ou l'esclave a suggéré. Et il a dit, d'accord, nous allons essayer ce qu'elle a dit. Et il doit maintenant chercher le Dieu de cet esclave. Ils ont des dieux. Et leurs dieux ont aussi le pouvoir ou des pouvoirs, mais ne sont pas en mesure de le guérir. Et lui-même est un guerrier, mais sa force de bataille n'a pas pu le délivrer. Sa position ne l'a pas sauvé. Alors cette fille avait quelque chose que d'autres n'en avaient pas. Cette fille de tous les enfants de Dieu dans le monde entier, mais nous avons quelque chose qu'ils n'en ont pas. Jésus qui est en nous a plus de valeur que de l'or. Il va encore guérir maintenant. Il va encore délivrer. Il va guérir les utérus infertiles. Il va bénir certaines personnes. Il va ouvrir des portes devant certaines personnes. Il va élever d'autres. Il va changer les dernières personnes de la société en de hautes personnalités. Alors, si tu méconnais l'importance ou la valeur de ta christianité, le marché dans lequel tu es, c'est à cause de toi que les gens vont toujours diffamer et dénigrer Dieu. Tu as quelque chose qu'ils n'en ont pas. Naaman s'est levé et il est allé vers le roi. Et il est allé voir le roi des Syriens parce qu'il est un général de l'armée, un centenier, et il ne peut pas traverser facilement la frontière. Il sera accusé s'il essayait de le faire sans autorisation. Alors il a demandé à ce qu'on lui écrive une lettre qu'il veut aller vers le roi d'Israël. Car il a appris qu'il y a quelqu'un dans son milieu. Et c'est cette fille-là qui lui a parlé de cette personne. Qu'ils ont un Dieu. Et à qui ils adressent leur prière. Et ils exaucent leur prière. Roi, toi-même, tu connais ma maladie. Cet homme. On dit par lui, Dieu guérit. Voilà pourquoi il faut que tu me donnes l'autorisation afin que j'aille le voir. Il reçut l'autorisation. Et il a pris sa lettre qu'il est allé donner au roi d'Israël. Le roi d'Israël, l'ayant vu, cet homme saisit encore des moyens rusés pour venir nous combattre. Il ne savait pas que c'est parce qu'il était dépassé qu'il était là pour se prosterner à leur Dieu. Parce qu'ils les avaient combattus et c'est à cause de cela qu'il avait pris cette fille-là jusqu'en Israël. Et partout où vous êtes, même si tu es en train de souffrir, n'oublie pas ton Dieu. Cette fille connaissait celui qui était en elle. Voilà pourquoi elle a dit, nous avons un Dieu en Israël. Les chrétiens se dénigrent d'une manière ou d'une autre. Tu peux être même une domestique ou un domestique chez quelqu'un. Tu peux être le vigile de quelqu'un. Tu peux être même le cuisinier de quelqu'un.
Tu peux être un technicien de surface. Tu es quelqu'un qui nettoie les armes à la maison de quelqu'un. Tu peux être le chauffeur de quelqu'un. Or, si Jésus est en toi, considère que tu as quelque chose que lui, il n'en a pas. Alors, il faut toujours voir que tu as quelque chose. La chose est en toi qui a plus de valeur que l'or, qui a plus de valeur que de l'argent. Alors, si tu ne considères pas ainsi les choses, ils peuvent te traîner en toutes choses. Parce que tu es domestique, on peut te tendre tous les pièges possibles. Puisque tu es chauffeur, on peut te dire, on peut te faire des propositions. Si tu fais tel, 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 tu seras avec nous. Et quelque temps après, tu vas aussi devenir riche comme nous. Ce jeune homme, plutôt cette jeune fille, elle n'a pas oublié son Dieu. Cette fille maintenait toujours son Dieu dans son cœur. Naaman. Lorsqu'il est arrivé chez le roi d'Israël a déchiré son manteau. Et il a envoyé Élisée. Élisée a appris. Élisée a appris que le roi d'Israël avait déchiré son manteau. Et il a appris que Naaman était arrivé dans le milieu. Et il a dit, il n'est pas venu dans une mauvaise intention. Envoie-le-moi, s'il te plaît. Et il est allé. Alléluia. Amen. Et il va. Lorsqu'il est allé vers le prophète, il a pensé que la façon dont ils vont chez les charlatans, chez les marabouts, et on les séduise, on les trompe, et on dépose les choses sur leur corps ou on touche leur corps par des choses. Mais à vous, mais pour gain. Comme quoi, il y a une os du chien qui est tombée. Ou on sort quelque chose de son corps et on lui dit, c'est telle chose qui a été extrait de ton corps. Il a pensé que c'est les mêmes choses qui vont se produire chez le prophète. Ce que Dieu a dit à Élisée, il ne lui a même pas dit de descendre. Et lui-même n'est pas aussi allé vers lui. Bien-aimé, voyez ce guerrier de renommée, Élisée était sur sa maison à étage et a demandé à ce qu'on aille lui dire d'aller se laver dans le Jourdain. Alléluia. Amen. Alors toi, un serviteur de Dieu, toi, un homme de Dieu, si tu ne te donnes pas de valeur ou d'importance, c'est là les riches vont te considérer comme étant la dernière personne, une personne vile. Alors ceux à qui Dieu a accordé de position élevée dans ce monde, ils vont toujours te considérer comme étant une dernière personne de la classe basse. Nous allons bien sûr respecter les gens. Nous allons bien sûr nous soumettre. Et montrer au monde que nous avons quelque chose que d'autres n'en ont pas. Nous avons quelque chose en nous qu'ils n'en ont pas en eux. Si nous pourrions avoir cette vérité en nous comme nos prédécesseurs et les prophètes de l'époque, nous allons constater que la vérité va vraiment maîtriser ce monde. Mais Dieu là, il n'est pas descendu. Et on est allé lui annoncer le message et il s'est irrité. Et moi je pensais qu'il allait descendre vers moi. Et dans son état d'orgueil là, que très souvent les autorités, ou permettez-moi de le dire, les personnes qui sont élevées ont,
il est en train d'aller vers le prophète. Parfois, les autorités du monde considèrent les serviteurs de Dieu comme étant les vauriens. Je le dis, que tu peux ne rien avoir. Mais si tu connais l'importance du Dieu qui est en toi, réjouis-toi toujours. Réjouis-toi toujours. Hein? Oui. Ami Honanko. Na aramto avatia gamayeva elisa medio eyi ogblene bijibeyo mebe ya diva gbonyo hen la personne la plus mais lord movane mais lord movane mais lord mova tejio me cholo agban vane yo gbe hen minamiajo minamiajo la personne la plus influente de jola yebe do lagban onche ne beye ma bobodo ki o wa alors si tu ne veux pas te soumettre mauna melana ndodunani metone le vo agatiem Dieu a disposé quelqu'un qui peut accorder la solution à ton problème que tu traverses mais si tu refuses de te soumettre tu vas toujours rester là dans ton problème mauna Dieu a déjà disposé quelqu'un si que la ndodunani si metone par qui il peut donner la solution à ton problème que tu traverses bonne be mauna edope que Dieu t'a donné de position ye ma bobodo ki na mawo tu refuses de te soumettre à Dieu odi non. Un homme de Dieu a plus d'importance. Amen. Répondez Amen. Général, mondial. Les généraux, les commandants, les colonels, les autorités de l'armée. Les ministres, les autorités de ce monde, les présidents, les ministres, les députés, etc., ont toujours le pouvoir dans leur pays, mais non pas ce pouvoir-là qu'ils peuvent exercer à l'extérieur. Mais l'homme de Dieu a le pouvoir sur le monde entier. Parce que il a l'autorité du ciel en lui. Et qui est supérieur à l'argent? Qui est plus grand que des milliards des millions? Je te le dis, qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Permettez à ce qu'on reconnaisse l'importance ou la valeur de celui qui est en nous. Si nous ne donnons pas d'importance à celui qui est en nous, nous serions toujours avilis. Nous serions toujours avilis et déshonorés. Amen. Répondez Amen. Mais de coucou, Migma, Amen. Répondez Amen. Et Yovek, Mbé, et Johan, Elisa Medio, Nek Beya, Ela de Opoudouvala, mais de coucou, Travala, Elisa Medio, et Bédio Amen, Midassi Nedjoïla. Cette personne influente de l'armée syrienne, lorsqu'il est, lorsqu'il est allé vers Élisée et Élisée lui a dit d'aller se baigner dans le Jourdain, il a commencé par gronder, il a dit, ah, il n'est pas descendu vers moi. Et je lui ai amené plein de dons, je lui ai amené plein de cadeaux. Et il dit, non, moi je vais retourner chez moi. Ah, il va encore retourner chez lui, mais ce qu'il a comme problème va toujours demeurer là. Et Élisée, lui, il savait ce qui était en lui. Partout où vous me voyez dans le monde, vous avez un grand prix. Vous n'avez pas été racheté par de l'or, ni de l'argent, ni du diamant. Alors, vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Et c'est par ce sang que nous avons été tous rachetés. Alors, si quelqu'un est chrétien, Et je le réitère toujours que tu es embauché dans un service. Tu peux être même le vigile. Donne la valeur à ce qui est en toi. Il retournait. Et l'un de ses serviteurs est allé lui dire, maître, si le serviteur de Dieu t'aurait dit quelque chose de compliqué ou qui t'aurait énervé, ne vas-tu pas essayer de le faire? Il dit en bon, il dit oui, et il a fait demi-tour pour se rendre maintenant dans le Jourdain. Il est premièrement entré dans l'eau. Et nous, Daddy, nous, d'autres,
Le jour-là, c'est ce jour-là que ses serviteurs ont découvert combien de fois il était souffrant, combien de fois il était malade. Parce que lorsqu'il était arrivé, il s'est complètement déshabillé avant de rentrer dans le Jourdain. Et c'est là qu'ils se sont dit, ah, c'est comme ça l'état ou le corps de notre maître. Et il est entré dans l'eau. Il s'est baigné, une première fois, rien n'a changé. Une deuxième fois, il s'est encore immergé, rien n'a changé. Une troisième fois, il n'y a pas eu de changement. Une quatrième fois, il s'est baigné, il n'y a pas eu de changement. Une cinquième fois, il a essayé, rien n'a changé. Il a demandé à ses soldats qui étaient avec lui, est-ce que ça peut aller? Ils l'ont encouragé en lui disant, ça va aller. C'est parce que ces soldats-là l'aimaient tellement. Alors si tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Mais celui qui ne t'aime pas, c'est lui qui sera hypocrite envers toi. Alors si tu fais quelque chose et que tu ne réussis même pas en ce que tu fais, ils seront là toujours t'encourager. Non, c'est bon, ce que tu fais, c'est bon. Mais non. Celui qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui est ouvert pour te dire la vérité. C'est parce que la personne t'aime tellement. Celui qui aime son prochain ne peut que lui dire la vérité. Je t'aime. Je t'aime. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé de te dire ou de vous dire la vérité. Dieu vous aime au ciel. Voilà pourquoi il nous a envoyé ce matin pour que nous puissions vous prêcher la vérité. Que tous les saints disent amen. Une sixième fois, rien n'a changé. Une septième fois, jusqu'à ce qu'il ne se relève. Les nouveaux ongles sont venus. Les doigts se sont redressés. Et son corps a été couvert d'une nouvelle peau comme la peau d'un jeune. Voilà. Et sa peau est devenue comme la peau d'un nouveau-né, sans blessure sur son corps. Et il a vu cela. Je sais que lorsqu'il est sorti en même temps du Jourdain, il va aller embrasser, faire des accolades à ce soldat qui lui a conseillé de faire demi-tour. La Bible ne l'a pas dit quand même. Mais il va courir, il va se déplacer et présenter des accolades à ce soldat. Et il va lui dire, regarde-moi. S'il avait le téléphone, s'il avait le portable à l'époque, je crois qu'il va rapidement appeler son épouse depuis sa maison et lui dire, le Seigneur m'a guéri et ma peau s'est complètement renouvelée. Novio, bien-aimé, nous avons quelque chose. Élisée n'est pas descendu. Tout ce qu'on lui avait donné aussi comme don, il a demandé à ce qu'il répare. Il ne voulait pas recevoir de ces dons-là. Qui est celui-là au juste? Et comment est-ce que lui, il est si différent des autres? Comment est-il ainsi, ce monsieur? Élisée est différent. Hein? Alléluia. Voilà, Élisée est en train de donner ainsi l'importance ou la valeur de celui qui est en lui. Il aime Naaman. Voilà pourquoi il a prophétisé et il a reçu sa guérison. Mais il a voulu aussi lui montrer que voilà, qu'il est différent des superviseurs de leur dieu ou des charlatans et marabouts de leur localité. Car ils reçoivent toujours des dons et des bœufs à la place de ce qu'ils font. Bien-aimé chrétien, ce n'est pas chez tout le monde qu'il doit recevoir quelque chose. Alors il l'a révélé, il l'a montré à Naaman. Et Naaman s'est réjoui. Élisée n'est toujours pas descendu. Et Naaman a demandé à ce qu'on lui amène chez Élisée. Et il a été conduit vers Élisée. Et il est allé se prosterner devant Élisée.
Je te remercie. Prophète, je te remercie. Prophète, je t'en supplie. Est-ce que tu peux me permettre? Est-ce que tu peux puiser du sable, deux chameaux du sable chez toi à la maison? Pour que j'aille le verser dans ma maison. Et que je m'agenouille dessus pour prier. Et si je suis sur ce sable dans ma maison, je me dirai que je suis en Israël. Alors il voudrait ainsi transformer une partie de sa maison en Israël. À cause de cette jeune fille la seule. Parce que cette jeune fille connaissait son Dieu. Mais de nos jours, si quelqu'une ou quelqu'un est domestique chez quelqu'un d'autre, ce domestique ou cette domestique va commencer par faire les cérémonies que son patron ou son maître a l'habitude de faire. Dans l'intention qu'il soit aimé et qu'il puisse aussi s'enrichir. Tu as quelque chose qu'il n'en a pas. Cela ne s'achète pas par de l'argent. Jésus-Christ a versé son sang pour moi. Alors en ce moment même, à cause de cette valeur qu'il nous accorde, tu ne vas pas acheter quelque chose qui te sera cher et tu vas accepter à ce que la chose soit gâtée ou détruite. Alors ta vie qui est en train de se détruire, ton foyer qui est en train de se faillir, ton commerce qui est en faillite, ta famille qui a des problèmes, bien aimé, prions pour que Dieu nous accorde la victoire. Alors si tu es quelque part, lève-toi. Répète avec moi, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as racheté par ton sang précieux. Et ta parole le dit ce matin. Que nous avons été rachetés par un grand prix. Et ce par quoi tu nous as rachetés, ce n'est pas par de l'or ni par de l'argent. Alors si je t'ai vraiment cher, les fardeaux que je traîne, si j'ai une importante valeur pour toi, mes épreuves et situations difficiles ne vont pas te plaire. C'est pourquoi enlève l'aide de ma vie. Donc, la fille, prie là où tu aimes. Makoto bro katakabra serianda sakatakabra ndoroboshita basekete kebreya makoto robo sakatabra basukanda kametomnele que traverses-tu? Qu'as-tu comme problème? Masekete kebreya basubra katakabra basekete kebreya basukanda. Nous avons prié au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Il a vaincu pour moi et il m'a donné la vie. Et puis maintenant,
Que Dieu t'accorde cette valeur-là. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Pour qu'il sache que j'ai un grand prix pour toi. Parmi les enfants de ma mère. Parmi les enfants de mon père. Dans notre village ou ville. Dans notre grande famille, tu dois me donner une valeur. Ce qui a de valeur à l'homme, on prend soin de cela. Et quand les gens le voient, ils se réjouissent. Alors change ma vie. Spirituellement comme physiquement. Que tout le monde aille. On ne connaîtra pas ta valeur. Un changement doit venir. Voici la prière encore que nous allons faire, la requête que nous allons, pour laquelle nous allons prier, c'est de prier contre la mort. Bien sûr, nous allons mourir un jour. Mais toute mort précoce que l'ennemi aura planifié. La mort provenant des braqueurs et cambrioleurs. La mort par empoisonnement. La mort provenant des sorciers. Alors, accident ou la mort par accident.
Où la mort par livraison au braqueur. Que Dieu combatte pour toi. Prie pour toi-même, ton épouse et tes enfants. Amen. Nous allons maintenant retourner vers nos familles. Puisqu'ils ont vu ta valeur, ils veulent maintenant te détruire. Alors, tout démon confondu qui se trouve dans ta famille, Dieu va maintenant même combattre. Alors répète avec moi, Éternel, tout méchant confondu qui se trouve dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle, dans mon village natal, parmi mes amis, les filles, les dames, là où je travaille, et qui en veulent à ma vie, spirituellement comme physiquement, Mais bon, il y a un petit chien qui se lève.
Reçois ta guérison. Et ton oreille. On couvre tes yeux. Yes, your toi. Jésus te guérit. Tu t'as dit de ta tête. Kakaya pas comme jusqu'à la plante de tes pieds. Le haut d'homme. Dans ton utérus. Et vous homme. Dans ton sang. Et quand homme. Dans tes nerfs et veines. Et là homme. Dans ta chair. Yes, your toi. Jésus te guérit. Allez pour toi homme. Les os de ta hanche. Sida, VIH, sida, hépatite, les hépatites confondues, cancer, le cancer, diabète, Jesus. Yes, yodo, Jésus te guérit, yes, yodo, Jésus te guérit, et puis dit coucou, les utérus infertiles, ne vous, ils s'ouvrent, le Yesu ben comme, au nom de Jésus. Je prie maintenant. Je te confie le monde entier. Je confie le monde entier à Dieu. Éternel, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Je prie. Je demande la bonne santé à quiconque me regarde en ce moment. Et qui se trouve malade. Jésus guérit-les. Une fois encore. Je te confie le monde entier. Et tu as mes coronales. Les pays qui sont menacés par le COVID-19. Seigneur, va leur faire grâce. Surtout aux siens. Yes, yodo. Guéris-les. Quiconque me voit en ce moment et ceux qui ne me voient pas, mais qui sont tes enfants dans le monde entier, Seigneur, guéris-les. Yes, yodo. Ceux qui vont également se tourner envers toi, Seigneur, guéris-les aussi. La paix, homme. Dans les maisons. Les doux, homme. Dans les pays. Les corps, homme. Dans les quartiers. Yes, doutinato. Accorde la victoire aux siens. Puisque nous avons une valeur mais pour toi, ne Dieu. Permets pas à ce que le monde piétine tes enfants. Élève-les. Si un méchant se lève, que ce soit spirituellement ou physiquement, contre des éléments précieux, Seigneur, lève-toi de ton trône. Combat. À cause de tes enfants qui te sont chers et importants dans le monde entier. Je te confie également tous les présidents du monde entier. Parce que tu les aimes. Voilà pourquoi tu les as placés à la tête de différentes nations. L'Éternel, c'est toi. La sagesse et l'intelligence avec lesquelles tu diriges le monde. Donne-les en partie cette intelligence. Afin qu'ils dirigent les nations. Vous voyez le mail. La crainte qui est en toi. Il y a la vérité qui est à nous corriger le mail. La justice qui est en et toi. Et le mail on a nouveau. Que tu n'aimes pas le péché. Tu es Dieu mais cela en eux. Mais avant à chaque fois du corps les nations. Tu craignais qu'il dirige les nations pour toi dans la vérité. Mais du corps n'est pas petit. Afin que les nations aient la paix. De même, ministre, tous les ministres, députés, les députés, préfets, tous les préfets, maires, les maires, canton, les chefs de canton, comme les chefs de quartier, les chefs de village, tous les soldats confondus, je te les confie. L'Éternel veille sur eux. Je prie une fois. Les serviteurs de Dieu qui te sont fidèles dans le monde. Messieurs les dames, les nyates veulent. Travaille pour toi dans la vérité. Voici le nom de Dieu. Allez, dames, si qu'elles ne donnent moi. Yes, avec toi, Jésus, dans mes deux doigts, ne ferme. Tu peux m'en mettre au béda. Père Céleste, je prie. Aïe, mes bio bena. Je demande. Voici, ne nommez si à mes dix. Que ta main vienne sur tout le monde. Akbena. Merci, Père. Mais tu l'as fait au-delà de nos deux. Nous voyons que tu as les qui sont en train de Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.